Soir et Mousse, c'est un film qui dure 10 minutes. C'est un petit film sur ma sœur. Pendant le confinement, je l'ai filmé en train de me raconter sa vie dans son bain. Donc, en fait, c'est un peu l'histoire d'une fille qui s'ennuie et qui me parle un peu de ses histoires d'amour et de son rapport à la vie à ce moment-là et de son ennui aussi qui guide un peu le film. Alors, ma sœur, je la filme en fait depuis longtemps. Vers 18 ans, j'ai commencé un peu à tourner avec. J'avais une petite caméra et je filmais beaucoup autour de moi. Donc en fait, ma sœur, je la filme même depuis qu'elle a 15 ans à peu près. Je filme beaucoup de moments de sa vie, des anniversaires, enfin voilà, des choses, des discussions avec des copines. Donc voilà, la relation à ma sœur, en fait, elle est habituée à la caméra. La caméra nous permet aussi, à nous deux, je pense, de se dire des choses qu'on ne se dit pas autrement, enfin ailleurs. C'est un peu aussi un partenaire. En fait, maintenant, en grandissant, elle sait aussi un petit peu ce que j'attends, ce que j'aime. C'est pas un personnage, c'est vraiment elle, mais en même temps, elle sait aussi ce que j'aime chez elle, ce qui me fait rire, ce qui me touche. Je l'avais déjà filmée dans son bain plus jeune. Notamment quand elle passait le bac. Et là, en fait, on est un peu reparti sur cette idée d'ennui et en même temps, c'est quelque chose qu'elle vivait vraiment de qu'est-ce qui se passe en ce moment et de son rapport, voilà, à l'absurdité parfois des relations et des histoires d'amour qu'elle vit ou qu'elle vit pas. Donc, le mec sur la photo était passable. Genre, il est toujours passable. Et là, il parle et je vois, il a une dent cassée. Et je me dis, tu peux pas partir pour une dent cassée, genre c'est pas de sa faute si sa dent est cassée, puis ça se trouve il peut la réparer, j'en sais rien, c'est de passade. Et puis c'est pas pour rien qu'il a pas mis une photo avec une dent cassée, il avait pas mettre une photo avec une dent cassée, tu vois. Moi non plus, si je cache mes défauts sur les photos, je me mets pas en entière par exemple, sinon ça se voit que je suis toute petite. Ce qui me touche, je pense, le plus dans ma vie, et ce qui en tout cas me fait grandir, me fait aimer la vie, etc. C'est surtout les discussions avec mes amis, avec mes copines, avec ma sœur, sur les histoires d'amour et sur la sexualité. Et moi, c'est surtout ça que j'aime chez les filles que je filme. C'est comment elles ont cette liberté à raconter ce qu'elles sont et finalement qui racontent aussi beaucoup, j'ai l'impression, de cette vie qu'elles ont en société et qui racontent, voilà, le rapport qu'on a aux hommes, aux femmes, voilà, à l'hétérosexualité notamment. Carice. Clic. Elle a 100 ml de liquide dans la culotte, elle peut même plus prendre l'avion.